Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Coucou les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, pour le moment, c'est moi qui démarre le vlog parce que là, je suis en congé et on est rentré notre week-end avec les amis où ça s'est bien passé comme vous l'avez vu. Mais maintenant, j'ai du travail parce que pendant que j'étais pas là, ça s'est pas fait tout seul et j'ai tout le bazar. Je vais vous faire montrer ça à emmener à la déchetterie. Regardez-moi ça. Franchement, toute le bordel accumulé. En 2 ans, 2 ans avec la tempête, le parasol, là, tout ça. Donc, je vais faire de la place dans la voiture, la bâcher et je vais faire un ou deux tours à la déchetterie pour emmener tout ça. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. Bon, c'est parti pour le premier tour. Regardez ça. Waouh là 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 là. J'espère qu'il n'y a pas trop d'araignées avec moi comme vous avez vu juste avant. Il y en a eu pas mal. Des grosses en plus. Donc voilà, c'est parti. Bon, premier tour fait. J'ai le deuxième tour à faire. Il y avait du monde. Laissez tomber. La grosse galère. Encore un tour et après je suis tranquille. Le bordel est débarrassé de notre jardin. Allez, un peu de courage, un peu de motivation. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous avez pu le voir, Jérémy il a commencé le vlog ce matin. Il a débarrassé tous nos bazars là, franchement ça fait un bien fou. Là l'allée là c'est vraiment vide, on peut voir clair, ça y est on voit clair. Donc voilà les amis, du coup là et on est, je sais pas si Jérémy vous a dit mais nous sommes mercredi 12. Donc là franchement, rangement, je suis débordée. Je vous cache pas, je suis débordée. C'est fou à quel point on est débordé. On est parti au week-end chez nos amis. Là, on est rentré. On n'a pas tous les lessives qu'on a utilisés, il fallait faire. Mais là, j'ai fait aussi les mêmes vêtements qu'on n'a pas utilisés parce que tout était froissé. Donc, je ne me voyais pas tout mettre comme ça. Donc, du coup, j'ai tout rangé. Là, j'ai fait la lessive. Là, j'ai pas mal de trucs à ranger. Donc, voilà, les amis. On est mercredi, journée des enfants. Donc, là, moi, je suis en train de faire à manger. Je vais faire des patatos avec des steaks. Donc voilà, pour les enfants sont à l'école, ils vont bientôt finir et puis ils vont bientôt finir l'école. Donc du coup, on va se prendre pour la journée, je pense. Là, cet après-midi, ça va être franchement vlog rangement. Avec Jérémy, on va se motiver pour ranger tous les linges et les enfants aussi, on va se motiver. À plusieurs, ça va toujours plus vite.
Donc voilà comment vous dire. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous aussi chez vous vous avez autant de bazar des fois, surtout dehors là, avec la pluie qu'il y a eu. On a accumulé des choses. Franchement, c'est notre faute. On a trop laissé aller. Donc là, du coup, on assume. On assume. Mais là, c'est bon. Jérémy, elle a tout fait. Là, franchement, je suis contente. On s'est débarrassé de pas mal de choses. On se sent léger d'un coup. Bon, les amis, c'est parti pour une petite recette spéciale Ticia. Allez, pour ça, je vais avoir besoin de curcuma et du paprika. Donc voilà. Moi, je dose rien du tout. Comme d'habitude, je mets tout au pif. Voilà. De toute façon, ça pique pas, hein, ce paprika-là. Vous mettez une bonne dose, vous voyez. Ça y est, monsieur, il a fini le micro-sieste. C'est terminé. Vous mettez une bonne dose de paprika. Donc là, c'est bon. J'ai plus qu'à les mettre au four pour au moins 20-25 minutes. Là, il est 11h40. Le temps que les enfants rentrent de l'école, ça serait parfait. Donc là, du coup, faites pas attention aux pommes de terre, hein, parce que je les ai coupées. Ils sont un peu difformes, mais bon, c'est pas grave, c'est mangeable. Tu vas chercher les naya? Ouais. Ok, à toute. Du coup, c'est mangeable, hein, donc c'est tout ce qui compte. Du coup, là, monsieur Ewan vient de se réveiller, les amis. Micro-sieste fini. Mon amour, allez, regarde, tu fais coucou? Coucou, monsieur micro-sieste est fini. Bah oui, tu rigoles, hein? Hein? Qu'est-ce que t'as? Tu regardes à manger? Ouais? Toi aussi tu vas manger après, hein? Bah oui, hein? Bah oui, mon amour, hein? Bon, les amis, du coup, là, je vais à Jardy Leclerc pour améliorer un peu notre jardin. On va voir ce qu'on trouve. Et j'ai 2-3 courses à faire à Leclerc. Donc, je vous emmène avec moi. Et, monsieur... Comment tu t'appelles? Lohan. Ah ouais, c'est vrai. Lohan. Allez, à tout de suite. Caméléon impossible à trouver. Pour Ticia. Et regardez celui-ci. Magnifique. Et là, j'aime trop ces petits-là. Là. Salut toi! Tu veux me manger? Hein. Il s'est rapproché de lui. Hein. Mais alors? Hop! Je vais prendre des tomates. Tomates poire rouge. Prendre ça aussi. Voilà. Alors, pendant qu'on était dans le magasin, bah il y a une grosse averse de grêle en plus. Un truc de fou. Regardez les amis. C'est un truc de fou. Là, je vais sortir, on s'est abrité. Regardez. Plein de grêle. Une grosse pluie soudaine alors qu'il y avait un beau soleil. Et plein de grêle. Je peux vous dire qu'on a couru pour rejoindre la voiture avec les plantes qu'on avait en plus qui sont juste derrière. Voilà, on a acheté des tomates, du piment. Ben, vous avez dû le voir, de toute façon, j'ai filmé. Donc voilà. Et là, c'est direction l'autre Leclerc maintenant. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre spectacle de aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a une surprise dedans. T'as, tu peux. Coucou. Vive la tempête, vive la tempête. Mais c'est quoi ça? Regarde, regarde, ça s'est même pas cassé quoi, regarde là. Heureusement qu'elle n'a pas encore reçu le parasol et la table. Aïe 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 aïe, regarde, tout a volé là-bas, là. Et le jardin, heureusement que j'ai pas planté les tomates. Ouais, heureusement que t'as pas planté, parce que là, franchement, c'est abusé là, c'est quoi le délire? Tout à l'heure, vous avez... Vous êtes j'ai filmé un peu dans la voiture là. Vous êtes fait avoir? On était dans le magasin Jardin Leclerc. Ouais. Laisse tomber le bruit. Oh putain. On va attendre un petit peu pour tout prendre ouais, là. Ouais, je vais reprendre après. Au cas où que ça recommence. Bon, les amis, on va peser bébé Ewan et puis on va voir combien il pèse. Comme il s'assoit un petit peu, c'est parti mon kiki. Oui! Il fait 7 kg 800. Bravo bébé, ouah. Il est content. Ah, c'est trop mignon. Les amis, du coup là, il est 16h40. Donc là, on va aller se promener un petit peu avec les enfants. On va aller à la pharmacie parce que bébé Ewan, demain il a son vaccin. Oh non! Donc du coup on va aller chercher le vaccin pour bébé Ewan et puis on va vous emmener avec nous. On va se promener un petit peu, vous venez? Ouais. On va passer chez la chinoise, si vous voulez. Je vais chercher du manioc. Non. Donc on vous amène avec nous les amis pour aller chercher le vaccin de bébé Ewan. Yeah. Donc là, on a un t-shirt, un manche long noir, avec un pantalon large, avec des chaussures, et avec une veste en cuir, voilà. On l'avait pas vu. Non. Mais t'entends pas? Regardez. Ah, ça fait peur. Ah, il faut pas. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Elle t'a grillé! À cause de toi, t'as tourné la caméra! Non! Ça donne pas envie de se promener dans la forêt à côté? Promenons-nous! Non, c'est pas ça! Dans les bois! Pendant que le loup n'y est pas! Tu chantes? Mais comme il n'y est pas! C'est quoi la suite? Je sais pas. Après j'ai grandi. Je mets mes bottes. Promenons-nous dans les bois. Bon les amis, on vient de croiser une abonnée là en allant à la pharmacie pas loin de chez nous. Si tu regardes cette vidéo, dis-nous qui tu es. Parce qu'on s'est regardé avec Jérémy, on s'est dit mais... Sur le coup j'ai pensé à une collègue du travail, je me suis dit mais je reconnais pas son visage.
Et finalement, elle a dit, je vous suis. Et quand elle a dit, je vous suis, mais là, je me suis dit, ah, coucou à tout. Donc, si tu vois sur cette vidéo, bah, dis-nous qui tu es. Mais je pense que c'était toi qui nous avais vu à Action la dernière fois et qui osait pas venir nous parler. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Bah, c'est toi, franchement. Enchanté, enchanté, enchanté. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le premier qui touche papa a gagné. T'as perdu, Vivi? J'ai gagné. Surprise de tonton Cédric. Salut. Qui est venu nous voir. On ne s'y attendait même pas. Ça a frappé et je me suis dit, bah, c'est qui frappe? En plein semaine comme ça. Et là, hop, c'était tonton Cédric.